froid. Il y a graines d'olive. Non, mais graines d'olive. Graines d'olive. Les Biblis de Rennes vous proposent le podcast Graines de Livre. Aujourd'hui, nous sommes avec Emmanuel Bastien. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Nous vous accueillons dans le cadre de Graines de Livre, un événement autour de livres et de la petite enfance dans certaines Biblis de Rennes, des crèches et des structures petite enfance de mars à juin 2021. Emmanuel, quel a été votre déclic pour écrire, illustrer, fabriquer des livres pour les tout-petits? Alors, j'ai pas commencé il y a très longtemps. En fait, j'ai eu une vie professionnelle avant celle-ci. Et j'ai commencé, mon premier livre est sorti en 2013. Et en fait, j'ai commencé, bon, j'avais quand même ça en tête depuis quelques années. Et j'ai commencé à faire des livres quand j'étais maman. Et du coup, je suis allée vers les livres pour les petits. Ça, je ne sais pas si je l'ai fait vraiment, si j'y ai réfléchi. C'est peut-être qu'après, mes livres, finalement, s'adressent aux petits. C'est peut-être comme ça, plutôt, que ça s'est mis en place. Parce qu'il y a très peu de textes, parfois pas du tout, et voilà, et quelques images. Et comment vous les concevez, vos livres? Alors, ça dépend. En tout cas, j'ai commencé mon premier livre, c'était « Bonhomme, sa maison et pluie » aux éditions La Grume. Et en fait, pour celui-là, c'est particulier parce que comme j'avais jamais fait de livre et que j'avais en projet de me remettre à la gravure, envie de raconter des histoires, et j'avais très peu de temps, donc comme j'avais un bébé, et je me suis dit comment je peux faire pour que ça aille vite, pour le peu de temps que j'ai, commencé à raconter des histoires. Et donc j'ai repris la gravure et je me suis dit il faut que mes matrices me servent tout le temps. Alors qu'est-ce qu'il faut pour raconter une histoire? Et je me suis dit, il faut minimum un personnage, un lieu, quelques objets pour qu'il y ait des actions et de l'imprévu. Et donc la pluie. Et j'ai fait les matrices. Alors j'ai essayé tout azimut. Il y a une matrice en bois, il y en a une en plastique gravé, il y a des tampons. Et c'est en associant toutes ces matrices au moment de l'impression, en les superposant, en les imprimant les unes avec les autres, les unes par-dessus les autres, que sont nées des images. Et de ces images sont nées des histoires sans texte. Juste avec un petit titre, et on a édité des petits Leporello, donc des histoires en quatre images, juste avec un titre, et on a voilà. Et mon éditeur a proposé de faire une boîte avec 10 petites historiettes. Et donc sur d'autres livres. Alors d'autres livres, alors par la suite, alors à ce jour je n'ai fait que 5 livres, mais je peux vous parler de 2 livres plus récents. Alors le tout dernier c'est J'irai voir, aussi aux éditions La Grume, et alors là il s'agit d'un imagier, aussi pour les petits. Alors il y a, comment parler de ce livre? Avec des découpes. Voilà, il y a des découpes, en fait les images ne sont pas imprimées, il n'y a aucune image imprimée dans le livre. Sauf sur la couverture. Sinon, c'est les pages sont d'une couleur unique, avec un petit peu de texte, et c'est découpé, et ça va composer des paysages. Et en tournant les pages, le lecteur va créer de nouveaux paysages, en retournant à chaque fois la page. Et donc, on va passer du bord de la mer, on va passer à l'horizon, où j'irai voir une grotte inconnue, une grotte secrète. Et c'est le lecteur qui va transformer l'image en tournant les pages. Ça m'intéresse beaucoup. En fait, au-delà de l'image et du texte, le livre, l'objet livre, c'est une de mes préoccupations. Comment les histoires se mettent en... Comment le livre crée de l'histoire. Du coup, là, ça peut permettre de le raconter de 1000 façons. Et l'enfant se l'approprie aussi, quoi. Voilà. Oui. En fait, aussi, ça, c'est aussi autre chose. Je pense que c'est important de laisser de la place au lecteur. Dans aussi une part d'interprétation de chacun, en fait. Donc, il faut laisser... il faut peut-être pas tout dire. C'est peut-être pour ça aussi que je suis allée vers le sans-texte au départ. Et puis, là, il y a du texte. C'est important qu'il y ait du texte dans cela, je pense, parce que ça va révéler quand même quelque chose qui est relativement peu, presque abstrait. Et on a une image, par exemple, avec 2 zones de couleurs et un petit triangle blanc. Et le texte dit « Le grand océan ». Et d'un coup, hop, on voit l'image. Le texte quand même révèle un peu, nous aide à comprendre mieux l'image. Mais c'est très épuré aussi. Oui, alors c'est ça. En fait, mon travail, je pense, je passe plus de temps
ma façon de travailler, j'installe un dispositif, j'installe un système avec des contraintes parfois très fortes et j'essaye de m'y tenir et j'essaye d'épuiser le système. Et donc, je passe beaucoup de temps à enlever. C'est-à-dire, par exemple, pour j'aime, donc c'est aussi un petit imagier avec seulement des ronds. Bah là, il n'y a qu'une seule forme. Est-ce qu'on peut faire un livre avec une seule forme? Le rond, là, oui. Ce sont des trous. Et donc, en fait, je passe beaucoup de temps à me dire, bah, on pourrait enlever ça, on pourrait... Est-ce qu'on a vraiment besoin pour qu'on comprenne que c'est la nuit avec la lune? Est-ce qu'on a besoin de dessiner toutes les étoiles? Non, le noir, c'est la nuit. Est-ce qu'on a besoin de... Voilà, on enlève. Vous êtes venue aussi pour créer de livres, faire des ateliers, donc avec des enfants, des professionnels, des parents. Donc, comment vous travaillez dans vos ateliers? Alors, j'ai commencé aujourd'hui, j'ai déjà rencontré du public. C'était très, très bien parce que cet après-midi, il y avait à la fois des familles et des enfants de centres de loisirs et il y avait à la fois des enfants et des adultes. Et ça, c'est toujours très intéressant quand les publics sont mélangés parce que ça apporte différents regards et c'est toujours des moments de partage que j'aime bien. Alors, les ateliers, quand je vais faire des ateliers, la plupart du temps, c'est quand même dans des classes avec des enfants, et ben, je leur fais faire aussi des livres. Et j'arrive, tant bien que mal, à leur faire faire des livres, chacun le leur, pendant le temps de la rencontre. Et on va faire des choses assez simples, assez modestes. Je recherche jamais la performance, mais plutôt qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter. Donc on va faire, comme cet après-midi par exemple, on va faire des petits Leporello, donc des livres accordéon, au tampon. Donc une technique que j'utilise, et ça va être des livres sans texte. Donc on va quand même aussi bien réfléchir quand on n'a pas du tout de texte dans une histoire et qu'on a seulement un titre, alors il faut bien le choisir, parce que le titre, il va nous aider à entrer dans l'histoire sans texte et à comprendre mieux les images. Et donc voilà, cet après-midi, on a fait ça, on a fait des Leporello au tampon. Et voilà, et ce matin, on a fait aussi, on fait des livres de différents types, parce que la forme, voilà, peut aussi apporter... une autre entrée dans le livre. Ce matin, on a fait des livres avec des ronds, donc avec des tout petits en halte garderie. Donc là, on ne fait pas des trous comme dans mon livre, on utilise des gommettes. Et on va faire des... Qu'est-ce qui est rond? Vaste programme. Et donc, Emmanuel, là, est-ce que vous avez un de vos livres dont vous avez vraiment envie que nos lecteurs le découvrent? Alors, plus que de vous parler d'un de mes livres, je vais vous parler d'un projet ici à Rennes avec Carrefour 18 et Sophie Marotte de Carrefour 18. En fait, elle m'a proposé de travailler sur une mallette qui contiendrait des objets pour présenter trois de mes livres. Donc justement, pour présenter trois des livres dont je viens de parler. Et alors, nous sommes en train de travailler à l'invention d'objets qui pourraient être utilisés par les enfants ou... Nous, en leur montrant les objets pour leur présenter les livres, ou eux, en les manipuler pour prolonger la lecture ou avoir envie d'aller voir, justement. Alors, pour ce projet-là, je suis en train de construire, d'imaginer des petites tablettes percées, des petites tablettes en bois percées de couleurs, qui peuvent être manipulées librement par les enfants pour utiliser leur environnement, l'environnement de leur classe ou les objets qu'ils ont autour d'eux, pour, de la même façon que dans le livre J'aime, trouver, en se déplaçant, colorer les ronds qui sont en fait percés dans le bois pour créer de la couleur et imaginer si c'est rouge, peut-être que ce sont des cerises, mais alors si c'est gris, peut-être que ce sont des petits cailloux, un chemin de petits poussets... Voilà. Donc en fait, pour que l'enfant puisse construire son histoire. C'est ça. Et puis surtout qu'il y ait l'expérimentation, ça me plaît toujours beaucoup, que l'enfant puisse expérimenter par lui-même, là en manipulant les tablettes. Et comme les livres existent déjà, c'était pas forcément intéressant de reproduire des objets vraiment qui soient comme les livres, en plus grand. Non, il fallait proposer autre chose que le livre, puisque le livre, on l'a aussi. Et alors, vous avez un autre projet, là, que je vois? Alors, en fait, ça fait partie du même. Ouais. Ce sont des cubes. Ce sont des cubes en bois. Alors là, c'est vraiment à l'état de prototype. Ce sont des cubes en bois qui peuvent être utilisés pour présenter l'univers de Bonhomme, sa maison et pluie et pluie. Donc là, on a la maison. Et en retournant un cube
on a un bonhomme à sa fenêtre. Bon, les enfants, bien sûr, pourront l'utiliser librement comme un jeu de construction, mais aussi pour présenter, par exemple, à une classe, un petit peu comme un tout petit, modeste théâtre d'objets, l'univers de bonhomme. Donc là, on était dès l'extérieur, et en retournant les cubes, on se retrouve dans la maison avec le personnage. Voilà, et en fait, on va retrouver tous les éléments de l'histoire qui sont proposés. Donc, il a des bottes, et on va pouvoir installer les cubes pour mettre les bottes au personnage. Et il y a aussi, comme il y a 6 faces par cube, j'avais beaucoup de place pour proposer d'autres choses. Donc, il y a aussi des formes géométriques très simples qui vont permettre aussi de dessiner librement des choses. On verra quoi, parce qu'il faut essayer. Mais des personnages, peut-être, des animaux, des objets avec les cubes. Comme quoi, à partir du livre, on peut faire vraiment plein de propositions. Voilà, à partir du livre, pour mieux y revenir aussi. Ouais. C'est vrai que moi, c'est le livre qui m'intéresse. Je vous remercie, Emmanuel, pour ces réponses. Et amis auditeurs, sachez que les livres d'Emmanuel Bastien sont disponibles dans toutes les bibliothèques de Rennes. Merci beaucoup. 2, 3, Yael. Graines d'olive. Non, mais là, graines d'olive. Graines d'olive.